Salut à tous, oula. On se retrouve pour la suite. La suite de ce Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise. Et on était revenu ici après une première vidéo, ma foi, fort intéressante. On enchaînait les gobelins et les autres mobs dantesques. En fait, je me rends compte que si tu surveilles pas ta barre de vie, tu prends très très vite cher. Hein. Tu prends quand même beaucoup de dégâts, je trouve. Ça va très vite. Hein. Oula. Vache. Oh la vache, mais je me fais ouf. Mais nom de Dieu. Allez, je peux pas. Un en moins. Non. Les combats sont pas simples, hein. Franchement, c'est pas. Ah, évidemment, là j'ai plein de boost pour mon arme d'ast, mais je suis pas très très bon avec cette arme d'ast. Non, non, les combats sont pas faciles. Sont pas si simples que ça. Alors, c'est ici qu'on était mort, donc on va essayer de se concentrer. On va essayer d'exploser en plein dans le tas. Ah, je peux pas ici. Ah oui, attendez. Ouais, concentrez-vous un peu les gars. Et là. Non mais là ça ne va pas. Attendez. Ah par contre le ciblage, je suis désolé hein, mais c'est pas terrible. Hein. Non mais soigne-toi. Ah non, le ciblage est pas évident. Mais il faut que j'aille éliminer ces trucs. Je pense qu'ils font popper les ennemis. Très bien. Un en moins. Ah, j'ai pas l'illumination par contre. J'ai juste enchaîné de coups normal et c'est passé. Très bien, et ça balance une cinématique. Ah, et les ennemis meurent instantanément juste derrière. Bon, très bien, parfait. J'imagine aussi que, bon, si on est un peu trop faible pour la zone, il suffira peut-être de farmer un peu les pièces d'équipement. Ça devrait passer. Ah, il y a nouveau succès. Vous pouvez exécuter un enchaînement et ainsi changer d'ensemble plus rapidement que d'habitude si vous appuyez souris juste après avoir utilisé. Ah ouais, d'accord, c'est pour. Waouh, ouais, ça c'est vraiment compliqué par contre. Ça c'est très compliqué. Faire les enchaînements entre plusieurs classes là, c'est peut-être pas pour nous ça. Enfin pour moi. Utilisez vos fragments d'anima depuis les arts de classe pour obtenir de l'expérience de classe. Ah d'accord, donc ça c'est juste des loots pour avoir de. Pour avoir plus de points d'XP. Ok, j'ai 6 points de classe déjà. Ça c'est quoi? Renforce la compétence attribuée à maintenir R1, enfoncer R2. Augmenter la résistance au chancellement et de réduire. Et ça donne quoi? Je vais prendre l'affinité, ça c'est sûr. Réduire la consommation de PM lors de l'utilisation successive. Oui, ça je vais le prendre aussi. Et encore plus d'affinité. Voilà. C'est très bien. Là j'ai 2 points pour la magie. On va prendre ça.
pour le surin. Augmenter la durée de l'illumination. Alors, on va prendre une nouvelle attaque. On va augmenter l'affinité ici. Parfait. Il nous restera un point, mais honnêtement, je peux plus rien, je peux plus rien augmenter, je pense. Ah oui ? C'est quoi ça ? Cri de guerre, R2. Chancez des ennemis aux alentours et régénère temporairement vos PV. D'accord, et donc ça, je peux le mettre ici ? Non. Je peux le mettre dans les combos. Ok, là je la comprends pas en fait. Attendez. Chasse recrise, gladiateur Ronin. Peut attribuer à n'importe quel emplacement combo. Cri de guerre. Ok, donc c'est un boost. Et ça régénère mes PV. Et ça peut être attribué à n'importe quel emplacement de combo. Donc ici, on est d'accord. Ah non, il faut que j'aille. J'ai juste élan tournoyant là et fracas enragé. Bon, là je suis pas certain. Hein, là, Ouais, là j'avoue que c'est un peu compliqué et puis surtout je viens de débloquer un truc que je ne sais absolument pas où je dois mettre. J'essaierai de voir de mon côté. Ça, je l'ai fait déjà. Ok. On continue. Bah, c'est pas grave. On verra plus tard, là. Ah. Interrompu pendant l'attaque, bien sûr. Attaque ennemie qui dégage une aura cynique sont imparables. Faites en sorte d'esquiver. Ah, d'accord. C'est lent quand même, hein. je dois bien avouer que les exécutions sont lentes, c'est-à-dire que tes alliés ont le temps de se faire rouster la gueule. Bon, on n'a pas eu trop le temps de voir les attaques imparables, c'était à droite. Allez, hop. Par contre, ça me dérange qu'il n'y ait pas la carte. Surtout pour ça, là. Ouh, ça c'est méchant, par contre. Je suis mort. Ah, je suis mort! Bah oui, les tombéries, ils sont extrêmement méchants, ouais, effectivement, ils peuvent te one-shot assez facilement. Par contre, il avait pas beaucoup de points de vie, donc on va peut-être essayer de le refaire. Ah, par contre, c'est vrai que c'est chiant, il faut refaire ce système à la Dark Souls, là, par contre, où il faut te refaire tous les mobs que t'as fait sur le chemin. Ça, je suis pas sûr que ça soit vraiment... Enfin, je suis pas sûr que ça s'incorpore vraiment très bien dans ce gameplay là. Est-ce qu'on se le retente ou pas? Je pense qu'on peut se le retenter.
Ah ah. Je vais essayer de le parer s'il me lance un truc. Non, c'est... Ah, il m'a tué. Ok, d'accord. Ah non, il m'avait pas tué. Ah, le chiant. Ok, on va skipper les mobs qu'il y a dans la petite salle ici, là. On va les skipper et on va aller directement voir le Tombéry. Non, 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 on combat pas. On venait ici. Oh la vache. Ah là là. Allez, esquive, esquive, esquive. Ah, ils l'ont presque tué. Ah bah c'est bon. J'ai perdu toutes mes potions, mais... Oh, et en plus j'ai des trucs pour le... Ah non, guerrier, ça c'est pas moi, mais par contre ça c'est moi, ça me donne des affinités. En plus je suis à 92% pour les affinités, c'est plutôt pas mal. Ok, donc oui, faut insister sur ces mobs là apparemment. Ils vont te donner du bon loot. Et apparemment il y a plein de portes aussi. Bon, ça je peux pas. On va aller voir là. Ah, ça pue ici. Non. Juste un coffre. Ah, la clé. En fait, faut se concentrer. Ah, ça va être horrible. Ça va être horrible les moments où je vais devoir faire comme ça. Ça va pas être très beau. C'est déjà pas très beau de base. Ok, est-ce que je vais par là? Non, je vais pas par là. Ok, bon, bah, ça doit être par là. Très bien. Et si c'est un boss, ben je n'ai déjà plus que 3 potions pour l'affronter. Ah ouais, les trucs là, les petites... Les reflets de lumière, oh là, ouf. L'occlusion ambiante qui est... Bon, on a dit qu'on se moquait pas. Et par contre, il fait très sombre. Pourtant, j'ai pas réglé la luminosité sur le plus sombre possible. D'habitude, je laisse toujours les jeux très éclairés, mais là, je ne vois plus rien. Bon, c'est pas grave. Il suffira juste que j'aille faire un petit tour dans les options, et ça va se régler. Est-ce que je peux... Bah, ça m'emmerde aussi que ça, je puisse pas le... Je peux pas l'utiliser. Case débloquée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai 4 points. Permet temporairement d'augmenter la résistance. Ou alors... Ça... Les effets de combo permettent de renforcer les combos attribués à un emplacement spécifique. Ils ne s'activent qu'après une attaque normale avec R1 qui a touché l'ennemi. Oui, donc c'est juste un boost. C'est un boost des combos. Ça, c'est correct. Je pense que je l'ai aussi un peu. Donc, alors, peut-être... Ouais. Ah ben, mais c'est moins classe. Alors, on peut utiliser ça.
Et c'est ça. Donc en gros, je fais assaut soutenu avec R1, R2. R1, R1, R2, je fais ça. Et 3 fois R1, R2, je fais l'élan tournoyant. Puis ça, évidemment, pour l'enfoncer, je fais le fracas enragé. Ok. Et l'autre que j'avais, le boost là, j'imagine. Est-ce que je l'ai de base? Genre, si je fais juste R2, ça va me le faire. Attendez. Non, il est en tournoyant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je pense que là, nous sommes au boss. Je pense que là, nous allons atteindre le premier boss. On est déjà mort un paquet de fois, hein. Mais Kraus. est-ce que c'est le stuff que j'ai ramassé? Kraus となるもの. お前たちは何者だ? 俺たちはカオスを倒しに来た. 予言の光の戦士かもよ. Ah, ils sont équipés avec le stuff que j'ai ramassé. Mais alors, ils s'équipent automatiquement, mes alliés? Bon, on a déjà vu plus effrayant. Ok, on va se la donner. Allez, c'est parti, premier boss. Ouf. Ok. Ah oui, évidemment, évidemment, il faut que je comprenne ces patterns. Parce que... Je vais essayer de... Ah, j'ai pas le temps de... Ok, j'ai pas le temps de faire des combos, donc on va juste lui donner des petits coups. Et on va essayer d'esquiver. Parce que... Est-ce que je suis trop loin là? Oh, je suis beaucoup trop loin. Voilà, là j'ai fait un petit critique. Ouh, attendez! Tu fais un petit finish. Ah, je lui mets une patate. Ah, pas de deuxième patate. J'avais pas vu, j'ai pris cher. Ah, j'ai voulu le parer, mais ça a pas marché. Ok. Ah, et on se termine ça comme une bagarre de rue là entre Soulard. Ah ben voilà, le boss est fini, donc fin de l'histoire. C'était rapide. Bon, c'est pas comme le premier boss de Elden Ring. Mate. Est-ce que c'est un jeu de mots? Ou plutôt une figure de style? Aïe aïe, elle leur fait vibrer leur petit caillou. On dirait un mix entre Yuna et H. Mais c'était H aussi dans FF12.
Ah, la modélisation des cheveux, par contre, c'est... Non, on a dit qu'on a... Non, on a dit qu'on ne le faisait pas. Non, c'est... je refuse. Cuir, moustache. Oh là là, la tronche. そして何より人々の心を蝕む終末思想。それらはすべてカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。 Qu'est-ce qui est ridicule? Désolé, je j'ai pas trop écouté. Il est sérieux, il a mis ses AirPods. Ah mais non, il écoutait Linkin Park. Chaos et no moi wa mada koko ni aru. Tsumari chaos wa dokoka ni iru.俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。あ、ボン。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。 Ce qui serait cool, c'est que... C'est que j'ai un healer dans la team. Ça m'évitera de claquer mes potions rapidement. Parce que là, ça part vite. Hein. Ok. Bah, j'ai que ça en fait. C'est quoi un endroit remémoré? Non, 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 non. Ah bah si, c'est ça en fait. Bon bah, on lance ça. De toute façon, il n'y avait pas de quête annexe avant, à excepté les quêtes pour utiliser les tutoriels pour les armes. ああ、忘れてた。街はこうだったよな。ね、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちも いろんなことを忘れちゃう。類いまれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり、忘却は慈悲だ。へえ。誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。 C'est pas chier, Jack. Oui, en plus, faut dire que bah déjà la première mission était pas facile, mais en plus on avait une arme qui était quand même nettement au-dessus des autres. そう、大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。<笑>
時にそこの娘よ。お前もクリスタルを持っているのか?一度お目にかかっているはずです。まあ良い。4人ともクリスタルを持っているのだな。Là, je vais quand même pas avoir des chutes de FPS avec cette qualité graphique là. Attention, pas de casser la gueule avec ton truc, hein, parce qu'il n'a pas l'air si facile que ça à porter. Il va faire une petite roulade dans l'escalier. Donc là je suis en mode normal, hein. Donc j'imagine que le mode difficile doit piquer encore plus. Je sais pas si le jeu est très long, parce que j'ai pu lire à différents endroits, ça pourrait varier entre une vingtaine et une trentaine d'heures. C'est un peu variable, en même temps le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est dur à dire. Mais de ce qu'on sait, ça pourrait prendre entre 20 et 30 heures. Après je ne sais pas si on compte, si tu comptes les quêtes annexes dedans. Au niveau des combats par contre, disons, c'est vraiment porté sur les combats par contre. C'est vrai que c'est dommage que c'est un système un peu à la Nioh, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué que Nioh au niveau des combos et tout ça. La Nioh était beaucoup plus simple en termes de gameplay. Là c'est vraiment, c'est un peu fouillis je trouve, hein. c'est un peu le bordel. Puis les explications pour réaliser certains combos sont pas super super bien expliquées je trouve. なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。 Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah, d'accord, je te parle. Très bien. Vous êtes qui, vous? C'est au niveau des déplacements, les quais, enfin comment c'est présenté et tout, ça fait très MMO. On dirait vraiment qu'on est dans un MMO là, avec le système de loot et tout, même les combats, ça fait très MMO. Oh, Jack, no danna, shinden kara kaette kita bakka daro. Daijin ga yado dai haratte kurete run da ga, uchi de yasunde iku kai? Avec mon masque de cuir. Fait vraiment penser à un roi de Disney, lui. Ah, et donc lui va nous conter notre histoire. Très bien. Récompense, rien. Attendez, laissez-moi aller dans le menu un peu. Un point de classe. Oui, mais c'est ça, mais l'arbre, on va le remplir super vite. Il est déjà presque full, on a fait une mission.
je garde mon masque. Bon, et ça ne change rien. Les formations. Vous pouvez choisir quelle année partie voix. Ah, d'accord. Ah, intéressant. Donc là, on a un tank. Ouais, mais comme je suis déjà gladiateur, j'en ai pas vraiment besoin. On va garder plutôt deux persos qui font des dégâts. Et puis donc j'ai que ça. Nom de la mission, lieu, oui, c'est ça. J'ai juste ça. Oula. Ok, on lance ça. Alors j'ai pas trouvé comment on sauvegardait, par contre, je ne sais pas si c'est automatique. Il y a des sauvegardes automatiques, mais je ne sais pas si c'est... S'il faut faire une grosse sauvegarde, genre à la fin de la mission. Faut reconnaître que c'est plutôt pas mal qu'ils aient mis les vêtements qu'on porte pendant les cinématiques. Ils le faisaient pas dans FF7 Remake, donc c'est un plus. Ah, alors l'image en arrière-plan s'est figée, contrairement à celle en premier plan. D'accord. Ok. Oui, très bien. Je suis pas sûr que ça va être très. Ah, mais vous avez jamais vu une bande de gothique? Qu'est-ce que. On fait un peu tâche quand même. Oh, j'ai pris un caillou. On peut le renvoyer. Il allait lui péter la gueule. Qu'est-ce que j'y peux ? Bah ouais. そうだけど。俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の仇を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。孫の長官はどこだ?長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる?向こうにある洞窟のその奥。 Qu'est-ce qu'il fout dans une grotte? Ah, c'est pour qu'on ait des ennemis, c'est ça? C'est space, hein, les cinématiques pour l'instant, c'est assez... C'est assez étrange. Ah, bon. Alors... Ah ben, tant mieux, oui. La mission principale est disponible, blablabla, d'accord. Les missions variées sont disponibles à partir de la bas-pompe. Accomplissez-les pour améliorer votre équipement, débloquer des classes et devenir plus fort. Faites de nouveau briller la lumière sur la paix de Cornelia. Ah, d'accord. Donc, ah, mais non, mais je les ai faites, ça. Ça, c'est les tutos. Ah, d'accord, mission secondaire. On a une mission secondaire ici, de niveau 8. Et là, c'est niveau 12. Bah, on va peut-être faire la niveau 8, alors. Ouais, on va aller faire la niveau 8. Allez, go. On va voir ce que donnent les missions. Par contre, est-ce qu'on va avoir les mêmes décors? Est-ce qu'on va être au même endroit? Ça
Non, c'est pas le même endroit. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une partie du... Ben non. Oula. Ah mais ils sont costauds quand même. Allez, cible-le s'il te plaît. Aïe. Oula, je me fais ouvrir le cul. Ah bah c'est ça, réunissez-vous, ça c'est parfait. Ah mais oui, mais c'était le boss que j'avais ici. Ah mais il va mourir. Ok. C'est même pas moi qui l'ai tué, le boss. Ah ouais, mais il pique un peu quand même, dis donc. Puis là, il y a... Oula. What? Je suis mort? Non. Ouais, c'est pas évident. Hein. Oula. Oui, d'accord. Ah, mais c'est des... Ils font des beaux petits dégâts quand même. Peut-être essayer d'y aller moins bourrin, j'y vais peut-être un peu trop bourrin, peut-être. Peut-être. Mais il picote vraiment par contre. Ok, toi t'avais oublié de combattre. Quand ils sont tout seuls, ça va être un peu plus simple. Tout le monde a pris super cher. Bon alors attendez. Si jamais je... Ça c'est le boss de fin déjà. Ça s'est fermé. Je viens de là, hein. On est d'accord. Est-ce qu'il y a encore un tombéry ici? Oh la vache. Ah, il était KO. Je prends ton âme. Ok. Pour l'instant, je suis pas sûr de ce que je fais. Hein. Je vous avoue, c'est un peu bordel. Ah. Ah mais c'est vrai. Aïe aïe aïe. Attendez, je vais essayer de contre-attaquer. Ça a pas forcément fonctionné. Je suis pas sûr que en les achevant comme ça, c'est très utile en fait. Et je ne sais pas où je vais. Hein. Je ne sais pas si je vais vers la suite de l'aventure ou pas. Ouais, peut-être que j'essaye plus de faire des attaques chargées. Pas mal aussi hein, les attaques chargées. Faudrait essayer de varier en fait un peu les attaques. Ah.
Il va me cracher à la gueule. Vas-y, fais un truc. Ah mais tu sais faire que ça? Qu'est-ce que c'est que ces attaques? Ah mais je peux pas la... Je peux pas l'approcher. Voilà. Hop, boule d'énergie. Ça va, les alliés ont fait un peu de dégâts quand même, pendant que j'étais en train de faire l'andouille. Bon, continuons. Oula! Ça y est, je sais comment on fait! Ah, par contre, ouais, il faut que je cible parce que sinon ça ne marche pas. Allez, il va péter. Non? Ah! Ah! Bon, allez, vas-y, recommence. D'accord, il fait sur lui par contre. Ah d'accord, il est... Il... Non, attendez, c'est pas comme ça. J'essaie de me... Ah, c'est pas ergonomique du tout, par contre, ça. Je suis désolé, mais là... Oh, on peut vraiment tomber, hein. Je peux aller par là, je peux... Est-ce que je pouvais aller par là? Est-ce que je viens de là? Ah là, c'est le coffre. J'ai l'impression de refaire en fait... Ah là là! Ah, je peux pas. Oula, là, je vais prendre des patates. Ouais. Ils font pas trop de dégâts ceux-là, ça va. Ça va, les équipiers font quand même des dégâts. J'avais peur un peu d'être solo avec des équipiers qui, comme dans FF7 Remake, ne font strictement rien. Mais ils font des dégâts. C'est-à-dire que si tu restes là à regarder et qu'ils sont bien équipés, ils peuvent très bien faire la job. Donc ça, c'est plutôt agréable, je dois dire. D'avoir des équipiers qui sont vraiment des équipiers. Oui, il était temps parce que j'avais plus beaucoup de trucs. 5... Qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est quoi? Réduit le coût d'une rupture de garde. Non, je peux prendre ça. Puis ça, ça coûte rien. Est-ce que ça se fait automatiquement? Fait chanceler les ennemis aux alentours et régénère temporairement vos PV progressivement. Honnêtement, je suis pas certain. Ça se met dans R2. Mais le truc, c'est que R2, je le change comment? Parce que je vois pas. Je vois aucun combo où la touche est R2. Puis dans commande, en fait, j'ai rien. J'ai juste illumination. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment on fait cette affaire-là. Ah non, c'est pas esquivable, c'est vrai ce truc. Bordel. Et les dégâts quand même que ça fait, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça malade, hein. Ouais, les attaques chargées font quand même beaucoup de dégâts. Je prends vraiment cher. Il faut vraiment surveiller la barre de vie tout le temps parce que ça descend à une vitesse. Tu prends un coup, ça descend quoi. Après, je sais pas, c'est peut-être la classe qui est comme ça. Une classe qui fait beaucoup de dégâts mais qui prend aussi beaucoup de dégâts. Je sais pas, ce serait peut-être mieux si je prenais un guerrier. Puis
Puis ça, je ne sais pas, je récupère des petits trucs rouges de temps en temps, mais je ne sais pas ce que c'est. Je prends pas de dégâts si... Oula! Ah, dis donc, ça, ça ressemble à... Bon, on se débarrasse de la boule. C'est dommage qu'en faisant... Voilà, attendez. Voilà, là on va attaquer cette grosse bête pendant qu'on a le boost. Enfin, si j'arrive à la cibler. Elle a pris cher. Allez, on va la déplumer. On va lui enlever ses poils. Et ses poils, c'est... Ah, mais je l'ai achevé. Descends. Oh, il veut pas descendre, lui. Tant pis. Allô, qu'est-ce qui... Je peux plus jouer. Pourquoi? J'ai battu le boss, alors on arrête? Ah bah oui, ils sont rendus. Ok, très bien. Ok, j'ai eu des trucs. Sphère limpide. Et fragment d'anima. Bon. Mais écoutez, je pense que... Niveau difficulté, frénésie. Donc, ah, changer la difficulté. D'accord. Donc je peux la changer pendant le... Et alors si je la change, genre je mets ça. Ça n'a pas changé le niveau de mission 5. Attendez. Non, ça c'est ma quête... Non, 8, 11. Donc et niveau de mission 8, niveau d'équipement 11. Je peux pas afficher la récompense, je voulais juste... Butin principal. Niveau 6. Et si jamais je change et que je mets en frénésie... Ben je vois pas une... Ouais, mais on va l'enlever. Non, mais c'est juste pour voir, en fait, mais... Ok. Bah, écoutez, je ne sais pas. Il y a des trucs que je ne sais pas. Comment est-ce qu'on sauvegarde? Comment est-ce que je sauvegarde? J'ai juste besoin de quitter. Deux points. Oui, non, mais c'est ça, regardez. Là, il me reste quoi? 6, 11, 16... Ouais, il me reste 23 points à prendre, et ensuite, Gladiateur, c'est déjà fini, hein. C'est déjà terminé en fait, Gladiateur, j'ai déjà tout rempli. Bah écoutez, ah, attendez, je pense que j'avais trouvé. Voilà, sauvegarde. Ah. Ah, ça sauvegarde comme ça. Ah, très bien. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. On va se laisser là pour ce deuxième épisode. Puis on continuera la quête principale. Bon, ça va, c'est pas... encore une fois, pour l'instant, c'est pas extraordinaire, mais ça va, ça fait le café. Ça passe bien pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer. Puis moi, je vous dis à très très vite. Allez, portez-vous bien. Bye bye.